Bonjour à toutes et à tous et merci de toujours préférer cette tranche sur votre nationale. Un plaisir de vous accueillir par ici. Et justement par ici, aujourd'hui, on parle de technologie. On ira dans la ville de Kigali, au Rwanda, pour parler de ces vélos électriques en libre service. Bien sûr, les informations pêle-mêle sont aussi au rendez-vous. Et notre référence du jour nous propose des liqueurs et des vins. Installez-vous confortablement, ça dépend. Chers chroniqueurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment vous Rebecca. Allez? Bonjour Rebecca. Bonjour Gloria. Très bien, je vais très bien aussi. Ok, ça va. Bonjour Rebecca, c'est un plaisir de nous retrouver chaque fois avec toi, les jeudis midi et aussi vendredi midi avec une tenue en soie. Oui. Voilà, l'appréciation visuelle. Voilà, donc tenue en soie, bleu sombre, c'est parfait avec les lunettes. Merci beaucoup. Vous êtes en bleu aussi aujourd'hui. Ouais, comme si je savais. Donc, celle qui ne vous accompagne pas dans... Non, vous accompagne les lunettes. Non, mais elle est en bleu, regardez, avez, elle a du bleu aussi. Vous avez elle a du bleu aussi. Du bleu sombre, oui. Du rose. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu de tout. Aujourd'hui, on est en communion, voilà. On est en communion, ah, mais justement, je suis d'accord. Parlons de Saint-Valentin. Je sais que Bruno, cette fête ne te dit... Non, rassure-toi, j'avais prévu de te poser cette question, Bruno. Donc, dis-moi, je sais que tu n'es pas trop fan de cette fête-là, mais est-ce que tu... Ah, je suis fan, hein. Ah bon, tu es fan? Ah, je ne savais pas. Ah, je suis fan. Ah bon, tu l'as bien célébré, alors. Raconte-nous un peu ton 14 février. Je suis fan parce que je suis amoureux, donc je ne peux pas laisser ce jour-là passer dans l'indifférence. Tu as donné quoi, madame? C'est plutôt secret. Je lui ai donné quelque chose dont elle avait encore besoin. Ah bon? Oui. C'est secret. Donc, vous savez, les femmes, elles n'ont jamais tout. Bon, ça, c'est vrai. Voilà. Vrai. Donc, il y a toujours quelque chose. Ça, ce n'est pas seulement les femmes. C'est tout le monde. Bon. Même les plus riches, ils continuent de chercher oui, de l'argent. Ils continuent. Ça s'accentue, quoi. Ça s'accentue. Alors, Gloria, toi, tu as reçu quoi? Ou bien l'Éternel est tombé? Bah, c'était pas tout, hein. Non, il y a encore d'autres choses. Bon, oui. Non, mais il faut se dire avant que Gloria ne parle. Je suis curieuse. Non, une sortie en amoureux, voilà, dans un coin calme, discuter de nous deux. C'est toujours important. C'est très important. Vous avez laissé les enfants à la maison, bien sûr. Oui, c'est des jours où ils doivent dormir à 20 heures. Et vous rentrez au-delà de 0 heures. Oui, au-delà de 0 heures. Tu il sais... suffit de bien confier la tâche à la nounou. Donc, et c'est fini. Et le tour est joué. Donc après... tu as passé, en gros, oui. une belle journée, magnifique. Une belle soirée du 14, tout très, simplement. C'est très important. C'est des jours assez, c'est un jour assez symbolique. C'est vrai que ce n'est pas le seul jour où il faut célébrer l'amour avec l'être qu'on aime. Mais c'est un jour où il faut... qu'il faut marquer d'une pierre blanche encore. Et tu sais, Gloria aussi, elle est sortie, hein. Elle me confiait tout à l'heure parce qu'elle somnolait. Ça se voit parce que... Et donc, que je lui ai demandé, mais Gloria, qu'est-ce qui se passe tôt le matin comme ça? Tu es déjà fatiguée. Elle me dit non, mais qu'elle n'a pas dormi à la maison dans la nuit du... Du 14 février. Eh bien, Bruno, elle n'a pas menti, c'est vrai. J'ai célébré le 14 février avec couleur. Couleur, hein? Ah oui, avec couleur. Rouge. La soirée, rouge, toutes les couleurs. Toutes les couleurs vives. La soirée était superbe. Rien à signaler. C'était parfait. Rien à signaler. Tu vois. Maintenant, posez-moi la question. Demandez-moi. Non, c'est clair qu'on n'allait pas en ton rôle d'animatrice. J'ai bien célébré. C'est vrai que la seule personne qui pose les questions ici, c'est toi. Mais permets-moi de te poser. Exceptionnellement. Je te permets. Rebecca, comment est-ce que tu as passé la soirée du 14 février? L'Éternel est mon berger. Non, si tu ne dévis pas, nous avons vu des statues. On a pu comprendre quand même qu'il y a des choses qui se sont passées. En tout cas, bref, tu l'as dit, c'est moi, je pose les questions ici. Donc voilà, aujourd'hui, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, on parle d'un e-tech de vélo électronique. Nous envolons donc vers le Rwanda. Kigali dispose depuis peu de vélos électriques. Il s'agit d'une initiative de transport public de vélos en libre service à mobilité électrique. Le service s'appelle Gouraride et c'est la société éponyme Gouraride qui est à l'origine de ce projet avec l'appui du gouvernement, bien entendu.
Alors, selon l'entreprise, changer la façon dont le transport est perçu en Afrique, en commençant par le Rwanda, est crucial, car cela rendrait la micromobilité accessible à tous. Je vous propose de suivre ce reportage. On revient tout juste après pour en débattre. La piste cyclable longe les principales routes de Kigali. Placide s'est mis à pédaler. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite, car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. 80 vélos ont été mis en libre service par la start-up Gura Ride le 9 septembre dernier à travers Kigali. Pour encourager leur usage, elle les met gratuitement à disposition l'espace de 2 mois. À terme, les utiliser ne devraient pas être plus coûteux qu'un trajet en taxi-moto. Bonjour, comment s'est passé votre trajet ? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Journée sans voiture, moto électrique, le gouvernement met en place une politique nationale de transport économique et non polluant, une stratégie rare sur le continent africain. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Une politique affichée depuis 2015 pour décongestionner le centre de la capitale. Le premier espace piéton vient d'être rénové. Pour les pistes cyclables, nous avons aujourd'hui couvert un réseau de plus ou moins 17 km à travers la ville. Des zones piétonnes comme celle-ci, nous comptons en faire. Déjà, nous avons dans le projet 2 que nous allons faire dans d'autres coins assez peuplés de la ville. Alors, pour tout simplement bénéficier des services de ce vélo électrique, on l'a entendu dans le reportage, il suffit de télécharger, Bruno Gloria, une application. Celle-ci vous permet de gérer l'accès au vélo grâce à un paiement électronique pour avoir un code unique de déverrouillage de vélo à partir de 12 stations. Bruno, une belle innovation, n'est-ce pas? Une belle innovation qui répond à, on va dire, aux besoins de notre temps. Mm-hmm. Une belle innovation également qui répond aux objectifs de développement durable, mm-hmm. ODD, mm-hmm. avec cette pensée-là à la réduction des gaz à effet de serre. Des pays comme le Rwanda en ont besoin. Cela décongestionne aussi les trafics, mmh. donc le trafic. On sait tous que peut-être sur la largeur, il faut 2-3 vélos pour faire une voiture. Voilà. Donc c'est complètement bien pensé. En plus de ça aussi, pour les utilisateurs, ça fait du sport. Donc c'est une innovation qui règle plusieurs problèmes à la fois. Le problème de pollution, puisque c'est une solution non polluante. Le problème de réduction donc de gaz à effet de serre, le problème de décongestion du trafic, le problème également de ceux-là qui ne mènent aucune activité sportive. Quand vous roulez un vélo, vous comprendrez forcément tout de suite au niveau des cuisses même. Si vous devez faire du vélo d'ici le stade Kourou et revenir encore, vous comprendrez quelque chose. Donc pour ce genre de solution, franchement, c'est bien réfléchi avec plus de technologie autour parce qu'il faut une application pour localiser, aller à la station, chercher le vélo, faire votre course et ramener le vélo. Franchement, c'est bien réfléchi. Et j'imagine que c'est à moindre coût. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du coût, mais je me dis que ça doit être à moindre coût. Ça doit être quand même à la portée du Rwandais lambda. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est des innovations que les pays au sud du Sahara doivent copier parce qu'on sait que nous faisons tous face à la menace du réchauffement climatique, des changements climatiques. Donc, aucun pays pratiquement au monde n'est épargné. Aujourd'hui, les gens sous certains tropiques font l'erreur de croire que le développement va avec les voitures. Donc, quand on voit plein de voitures dans la circulation, on se dit que c'est un pays développé. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément cela. Parce que quand vous prenez des pays comme la Chine, c'est des pays riches, des pays qui sont fortement développé, mais vous voyez encore en circulation beaucoup de gens aller à vélo, au service et même à pied. Vous allez dans les pays comme le Cambodge, l'Indonésie, le Pakistan, donc les pays de l'Asie du Sud-Est également, vous trouvez beaucoup de gens encore pratiquer du vélo, même en Corée du Nord, en Corée du Sud,
au Japon, beaucoup de gens pratiquent encore du vélo. Donc, ces pays-là ont compris un certain nombre de choses. Vous allez aux Pays-Bas, il y a encore 10, 20 ans, le premier ministre des Pays-Bas allait à la primature à vélo. Donc, oui, et c'était des exemples pour donner le ton aux citoyens, aux concitoyens, que non, nous pouvons utiliser le vélo pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour polluer moins notre environnement et voilà, l'atmosphère. D'accord. Alors, Gloria, tu partages l'avis de Bruno aussi? Alors, je partage son avis, mais ce qui m'intéressait tout de suite, c'est que les 3 premiers mois, le service sera gratuit. Oui. Ce n'est qu'après ça que c'est une période d'essai. Exactement. Voilà. Que mon temps sera fixé à tout le monde. Et il parlait tout à l'heure de réduction de gaz à effet de serre. Je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi voir le côté... Il faut voir les pays comme le Bénin où si tu te mets en veste, tu vas te mettre sous le soleil, avec le soleil de l'Afrique de l'Ouest, tu vas te mettre sous le soleil sur un vélo en train de pédaler. C'est vrai, c'est de très bel exemple qu'il faut suivre, mais il faut voir aussi le côté où on se met tout le temps en costume, cela peut résoudre vélo. Aussi cette question-là, de costume, comment nous nous habillons justement selon le climat de chaque pays. Ah, est-ce que les Béninois maîtrisent, connaissent ou bien veulent comprendre le climat? Bon, non, je pense je crois que bien habillé au Bénin, c'est costume, cravate et tout. Bruno est très bien habillé. S'il mettait un truc comme Gloria, non, bon, ben, il n'est pas bien habillé. Donc avec ça, il ne peut pas se mettre sur un vélo, pédaler, venir au boulot. Vous comprenez? C'est l'autre côté de la chose qu'il faut voir. D'accord. Alors, avec l'application Toujours, vous avez la possibilité de choisir plusieurs formules, à savoir le trajet unique, les tickets journaliers, la formule mensuelle ou une souscription annuelle. Ce qui veut dire que si vous téléchargez l'application et que vous souscrivez à une des formules, vous devez respecter cela. De toutes les manières, la technologie ne ment pas, en tout cas, la technologie ne ment pas, je le sais. Ça va vous amener... Oui, je vous l'ai dit parfois, mais je rectifie, la technologie ne ment pas. Parce que imaginez, si vous achetez tel trajet, vous achetez une durée d'une heure de temps à faire, mais après les une heure, mais ça va se bloquer. Vous ne pouvez plus continuer avec le vélo. Donc, il faut respecter. Je me dis que cela va amener aussi les gens à respecter. À s'organiser. Voilà. Oui, mais ça reste peut-être une limite de cette application. Oui. Après, toute œuvre humaine est perfectible. Je pense que parfois, dans vos courses, vous avez des situations imprévues. Je suppose que vous avez affaire à l'administration. Vous pouvez être freiné. Non, mais justement, vous activez la formule nécessaire. Si je veux faire des courses, je ne peux pas prendre une formule de trajet unique. D'accord. Par exemple, vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, si c'est les trajets uniques où on parle plutôt de... Je quitte un point A pour un point B. Voilà, il y a formule, il y a trajet unique, il y a les tickets journaliers, il y a la formule mensuelle. Voilà. Ouais. Donc, donc, je pense que c'est bien élaboré comme ça. Donc, je pensais aux limites, mais avec vos clarifications, je pense que c'est bien élaboré comme ça. Si vous prenez, par exemple, la formule journalière, c'est que vous savez que vous avez toute la journée avec le vélo, donc vous pouvez soit en profiter ou finir vos courses en une demi-journée et rendre le vélo, encore que vous pouvez le garder. En bon africain, vous savez, si quelqu'un finit ses courses déjà à midi, il va dire, mais bon, le vélo m'appartient jusqu'à 17h. C'est justement pour empêcher tout ça. Donc, je me promène avec, donc je rends le vélo à 18h par exemple. Mais bref, mais je pense que l'essentiel, c'est... les problèmes que viennent résoudre ce genre de réflexion et d'innovation au Rwanda. Franchement, félicitations à l'État rwandais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on parle uniquement des vélos, mais imaginez si on étendait cette innovation aux motos, aux véhicules. OK, imaginez cela au Bénin, par exemple, où on n'est plus obligé de venir au boulot avec nos moyens de déplacement, mais qu'on quitte la maison, qu'on garde nos moyens de déplacement en point A et qu'on prenne ces engins pour venir au boulot. Cela va nous permettre non seulement de réduire le coût du carburant, OK, et ensuite aussi de ne pas rester dans les bouchons et autres, quoi.
Les bouchons. Si c'est les voitures, ça ne va pas régler le problème des bouchons. Exactement. Non, oui. Ça ne va pas régler le problème des bouchons. Parce que si vous prenez la voiture, c'est que vous avez pris une voiture. Non, mais... justement, je ne serai pas seule. Ah. S'il s'agit des voitures, je trouve que ce serait bien que ce soit un transport en commun. Bon, là encore, ça va. Là encore, ça va. Parce que si c'est des véhicules où vous prenez une, Gloria en prend une. Ah non. J'en prends une. Alors que dans la vraie vie, peut-être que nous n'avons pas tous des voitures. Donc, c'est comme si du jour au lendemain, vous et moi et Gloria, nous ajoutons trois voitures dans la circulation. Pareil pour 100 000 autres personnes. Donc, ça va. Mais si c'est le système de transport en commun, oui, ça marche encore. Voilà. Alors, on retient tout simplement que c'est une belle innovation qui pourrait sans doute inspirer nos jeunes pousses du Bénin, je parle bien sûr des start-up, pour que le Bénin soit peut-être le second pays hein, après le Rwanda à adopter cette technologie. Pourquoi tout simplement. Pas. Non, de toutes les façons, le Rwanda, c'est un pays pionnier dans beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est un pays qui a donné de l'exemple dans beaucoup de domaines, en termes de réussite, en termes de développement, en termes de croissance économique, mm-hmm. dans beaucoup de domaines. Donc, je pense que là, le Rwanda est en train, une fois encore, de donner le ton. Et je crois même que beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest sont en train de le copier. OK. Sur d'autres, enfin, dans d'autres domaines, dans c'est bien ça. Dans d'autres domaines, ouais. Beaucoup veulent être comme le Rwanda. Mais tout ce qui est beau, en fait, tout ce c'est qui vrai? Innove, tout ce qui est dans le développement, on veut tous se développer. C'est un beau exactement. Pays. C'est quand vous regardez un pays qui a été ravagé par le génocide, pendant des années. Et qui a su et qui se relever. Voilà, se relever, se reconstruire, un peu comme la Côte d'Ivoire, côté aussi, qui est un bel exemple des années de guerre, déchirée, détruit complètement par la guerre. Aujourd'hui, c'est un pays qui a su se relever et qui est en train de se reconstruire terriblement. D'accord. Alors, Bruno, il est l'heure à présent de nous informer. Pêle-mêle. Voilà, on y va. Alors, Bruno, nous sommes en Uruguay, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, un festival né de la lutte africaine. Exactement, c'est une bonne nouvelle pour nous, hein, Africains, parce qu'en Uruguay, le festival appelé Las Llamadas, ou les appels si vous voulez, est bien plus qu'une simple célébration caractérisée par la musique candombé, donc c'est une musique locale du côté de l'Uruguay. Et cet tambour, il est le symbole de la lutte des Noirs. C'est ce festival que vous voyez à l'écran. Pourtant, tout est parti d'un petit garçon. César Pintos était son nom. Il jouait avec des tambours avec ses amis dans les rues des quartiers en majorité noire de Montevideo, la capitale uruguayenne, battant des boîtes de conserve à l'époque avec des brindis sur des rythmes ancestraux apportés en Uruguay par les Africains réduits en esclavage. C'était les années là, 1940, à peine 100 ans après l'abolition de l'esclavage dans le pays, dans ce pays de l'Amérique du Sud, et une période de croissance explosive pour le candombé, donc c'est le style musical explosif afro-uruguayen. Alors, à l'âge adulte, il a lancé sa propre bande de batteurs et de danseurs dans son quartier de Cordon, donc c'est un quartier phare de Montevideo, la capitale uruguayenne, l'un des lieux de connaissance, donc, où a explosé le candombé. Alors, Las Llamadas, traduit par les appels, d'après l'ancienne pratique, consistait à battre des tambours pour appeler, entre griffes, donc, la communauté. Chaque année, depuis 1956, des dizaines de citoyens uruguayens défilent dans le centre-ville, dans les grandes artères de Montevideo, le visage peint et les costumes élaborés qui rappellent un passé lointain sur un continent étranger. Donc, nous allons suivre cet élément qui nous renseigne mieux sur ce festival appelé Las Llamadas. En Uruguay, le festival Las Llamadas est bien plus qu'une simple célébration. Caractérisé par la musique candombé et ses tambours, il est le symbole de la lutte des Noirs. Chaque année depuis 1956, des dizaines de comparsas défilent dans le centre-ville de Montevideo, dans un décor élaboré qui rappelle un passé lointain sur un continent étranger. Le respect du tambour est fondamental. Il faut être conscient de ce que tu représentes quand tu accroches un tambour à ton cou. Ici, quand tu en joues et que tu marches dans la rue, tu représentes ceux qui sont venus avant toi. Des gens qui ont versé leur sang pour que nous puissions marcher dans la rue aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire, mais nous avons ce luxe.
C'est vraiment beau, hein, Bruno. Ouais, très beau. Un jour, quand vous serez en Uruguay, Rebecca, cherchez à participer donc au festival Las Llamadas, dont hein, les festivaliers se plaignent du fait que ça se déroule sur un jour, ils en voudraient plus de temps. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Las Llamadas, on reverra encore les images, est une célébration pour tous les groupes raciaux, en fait. Donc, c'est une fête qui rassemble, en fait, de nombreuses comparsas. Donc, les comparsas, ce sont ceux et celles-là qui participent au festival Las Llamadas, qui sont aujourd'hui majoritairement blanches. Ça veut dire que c'est une célébration, c'est un festival qui tire ses racines des afro-descendants. Okay, mais une culture qui a été transmise au fil des années, au fil des décennies, donc à la génération blanche de uruguayenne qui vit aujourd'hui. Montevideo donc est un port d'entrée important pour les Africains, a servi à mener en Europe par les Européens, pardon, en Amérique du Sud à partir de la seconde moitié du 18e siècle à la fin des années 1700. Plus d'un tiers de la population de la capitale uruguayenne était de descendance africaine. Donc voilà. Et pour des générations de personnes réduites en esclavage et leur progéniture, jouer du tambour à l'époque donc et danser pendant leur temps libre, même s'ils n'en avaient pas assez vraiment. Parce qu'il y avait beaucoup de boulot dans les champs, c'était le moyen de conserver leur lien lointain avec leur continent mère qu'ils ont quitté dans des conditions que nous connaissons tous et dont nous continuons de regretter jusqu'à ce jour. Lorsque l'esclavage a été aboli en Uruguay au milieu du 19e siècle, donc les Afro-Uruguayens ont créé des sociétés d'aide mutuelle dont des réunions animées ont donné naissance donc au candombé dont nous venons de revoir encore le rythme. Alors, à la base, c'est quand même, vous l'aviez dit tout à l'heure, à la base, c'est un enfant qui est initiateur de ce festival, c'est ça? Oui, c'est un enfant. Donc, tout est parti d'un petit garçon. On a rappelé le nom. Il s'appelle César Pintos. Donc, il avait, comme on l'a tous fait, hein, à un certain âge, voilà, joué peut-être dans notre environnement. Ici, on va plutôt parler de ce qui se passe à la fête de Noël. Vous voyez de petits enfants se réunir. Oui, les Caletas. Donc, ils viennent, ils chantent des chansons d'église et tout ça. Et juste pour avoir de l'argent. Donc, c'était un peu dans ce style-là que le candombé est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, les boîtes de conserve qui étaient jouées par ce petit garçon et sa troupe à l'époque, ça s'est transformé en tambour, donc un grand festival aujourd'hui, un accoutrement qui va avec et des danses, des déhanchés comme vous avez pu... Alors, ce petit garçon-là, est-ce qu'il est toujours là? Bon, il aurait bien grandi, mais est-ce qu'il est toujours là pour voir quand même ce que ce festival, ce qu'il a initié est devenu plus tard? Malheureusement, il ne vit plus, parce que là, on parlait des années 40, 1940. Il a eu le temps de grandir. De grandir, de vieillir, de partir. Il n'est plus, mais le plus important, c'est d'avoir laissé quelque chose aujourd'hui comme trace. On va dire matériel, c'est rester dans donc, la culture et même le patrimoine uruguayen dont nous, les Africains, nous sommes fiers puisque c'est afro-descendant. Donc, quand on voit ça, on sait que ça fait partie de nous et c'est une fierté de voir qu'un petit garçon de son âge à l'époque a pu initier quelque chose qu'il a laissé aujourd'hui dans le temps et dont aujourd'hui, les gens estiment même qu'un jour ne suffit pas dans l'année. Donc, il faudrait rallonger sur 2-3 jours. Exactement. C'est dit combien ça fait l'unanimité. Il a su inscrire son nom dans l'histoire. Exactement. C'est beau tout ceci. C'est encore plus beau quand je vois la souplesse avec laquelle les dames dansent. Non, c'est franchement, c'est vraiment beau. C'est très beau. Tu as envie d'y être? Franchement. Me mettre... Mais pas... Je ne peux pas me mettre à moitié nue pour danser. La zone latino-américaine, globalement... C'est ce qui peut me retenir. Ils ont ces rythmes de danse-là qui, franchement... c'est vrai qu'on connaît ici le Agbadia, le Zeli, on sait qu'il faut avoir la souplesse. Mais là-bas aussi, ils ont des danses. C'est comme la samba brésilienne. C'est surtout le déhanché. Voilà, c'est comme la samba brésilienne aussi. Franchement, il faut avoir une souplesse pour pouvoir exécuter. Ce type de déhanché. Alors, deuxième information, Bruno, à 92 ans, Jides Chalamanga devient une star planétaire grâce au réseau social TikTok. Oui, vous... Mon réseau préféré du moment. D'accord, donc cette information va vous plaire parce que certainement vous allez vous demander quelqu'un qui a 92 ans. Et qui devient... Qu'est-ce qu'il a à faire avec TikTok? Alors, Jides Chalamanga, 92 ans, il ne connaît pas TikTok lui-même. Il n'a pas de smartphone, il n'a pas de portable,
Pourtant, ce chanteur originaire du Malawi est devenu star planétaire en ligne TikTok avec un titre qui a été vu par plus de 80 millions de personnes. Alors, de l'Afrique du Sud aux Philippines, son titre acoustique et dansant, Linio, donc c'est ce titre-là qui est allé sur TikTok, vous allez comprendre comment, enregistré fin 2020, dans lequel il dit à sa fille Lini toute sa fierté et lui réitère combien il est fier de l'avoir comme papa. Alors, les jeunes viennent de monter des vidéos sur leur téléphone, mais je ne sais pas comment ça marche. Donc, c'est en fait l'artiste Chides Chalamanda qui dit que les jeunes sont venus lui montrer des vidéos sur leur téléphone portable, comme on aime jouer les vidéos sur les smartphones. Mais lui ne savait pas comment ça fonctionnait. Alors, il a raconté la scène à des journalistes. Alors, le vieil homme mince aux cheveux blancs a gardé une gaieté juvénile. Alors, son petit-fils, appelé Stepson Austin, de 16 ans, qui a voulu lui-même se lancer dans le hip-hop, est bluffé par la longévité musicale de son papa ou de son grand-père, voilà, même, qui a fait 70 ans de carrière dans la musique. Wow. Alors, comment ça va se passer? Il est né à Shirazulu, voilà, c'est en Tanzanie, c'est une petite ville au sud du pays. Chides Chalamanga et sa guitare sont légendaires au Malawi. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, il produit encore des concerts ces 10 dernières années. Donc, malgré le poids de l'âge, il est resté dans la musique et il a joué régulièrement avec de nouvelles générations de musiciens. Alors, en 2021, avec une musicienne locale d'une trentaine d'années, Patience Namadingo, voilà, j'y arrive, il décide d'enregistrer la version reggae de quelques-uns de ses succès. Donc la vidéo devient virale parce que c'est Lini Ho qui l'a repris dans une version, reggae. Qu'il met d'abord sur YouTube, pas lui. Son petit-fils, je suppose. Non, l'artiste avec laquelle il a repris sa chanson, donc Namadingo, elle met sur YouTube et très tôt, ça fait 7 millions de vues sur YouTube. Et vous savez, quand une vidéo passe de YouTube à TikTok, qui est aujourd'hui pratiquement le réseau social le plus prisé, c'est incroyable. Donc, ce qui va se passer, c'est que fin 2021, donc il y a encore quelques semaines, la vidéo va atterrir sur TikTok et va faire le tour du monde. Lorsque la chanson est lancée dans une boîte ou un festival, tout le monde se met à danser en Tanzanie. Et c'est un vrai carton, décrit donc le musicien et le collaborateur de longue date, Davis Ndjobu. Alors, les paroles sont en Chewa. Chewa, c'est une langue local, mais pas besoin de comprendre pour être conquis, pour être emporté par cette musique. Je vais vous proposer de voir plutôt en vidéo ce qui s'est passé. On va revenir après, on va découvrir un peu à quoi ressemble le clip original de Lini Ho qui a porté aujourd'hui Chides Chalamanga pratiquement sur le toit de la planète, sur les réseaux sociaux. Lineho, uyu linelelo manamene, manawanzeyo. Lineho, lineho, uyu linelelo manamene, manawanzeyo. Tukaja mama wa amatengaza je, kusesa bakomo, pamai. Voilà, vous avez pu constater comment la vidéo emballe tout le monde sur TikTok du côté de la Tanzanie. Donc, tout le monde reprend la chanson fièrement, les uns en noir la cravate, les autres en changeant un peu le look. En allant peindre leur barbe en blanc. Donc, franchement, tout est vraiment parfait pour ce nonagénaire. Mais à ce jour, Chides Chalamanga, qui a eu 14 enfants, dont 7 sont toujours en vie, attend encore que cette opportunité paye. Parce que c'est étonnant, c'est plutôt l'information qui étonne dans tout ça, malgré les 80 millions de vues qu'il a pu générer sur le réseau social TikTok, il n'est encore entré en possession d'aucun sou de tout ce que cela devait lui rapporter. Je suis surpris que malgré la popularité de la chanson, il n'y ait rien pour moi. Donc c'est ce que dit l'artiste. Quelque peu frustré. Je suis ravi de faire danser des gens dans le monde entier, mais ils devraient
y avoir un bénéfice pour moi. J'ai besoin de cet argent, vous comprenez, pour quelqu'un de 92 ans, insiste-t-il. Selon son manager, pour finir rapidement, selon son manager Panfero Fandé, le processus pour obtenir des royalties pour sa chanson diffusée sur TikTok est en cours et la Société des droits d'auteur du Malawi s'est dite prête à l'aider. Donc, il y a le processus qui est enclenché quand même pour... je ne sais pas, vous utilisez TikTok. Oui, et c'est pour cela que je voulais réagir. Oui, en fait, ce n'est pas le nombre de vues que génère votre clip qui fait que TikTok vous paye en retour. Non. D'accord. C'est plutôt le nombre d'abonnés que vous avez sur TikTok. Donc, c'est vrai qu'il peut avoir fait des millions de vues avec sa chanson, mais avoir juste 5 abonnés... Si la page, voilà. La page... Parce qu'en fait, ce n'est même pas lui qui publie la photo. Et non seulement ça, pour être payé aussi par TikTok, il faut d'abord avoir un compte professionnel, un compte de créateur de contenu. Et après 10 000 abonnés, normalement, oui, vous envoyez maintenant une requête à TikTok pour vous faire payer. Voilà. Et beaucoup ont été payés. Est-ce que ça se paye en Afrique? Si, ça se paye en Afrique. Ça se paye en Afrique. Au Bénin, je ne sais pas encore, mais ça se paye en Afrique. Donc, je pense que déjà, dans le cas de Chides Chalabanga, déjà, il n'a pas de smartphone. Je ne sais pas. Déjà, il n'a pas de smartphone, donc on ne sait pas s'il a d'abonnés. Il ne connaît même pas ce que c'est que TikTok. En fait, c'est les gens qui lui font découvrir ce que sa chanson est devenue. Donc, cette reprise-là, version reggae. Si je comprends bien, il a eu 14 enfants, il a perdu 7. 7. Il y a encore 7 qui sont en vie. C'est un peu pour dire que pour briller, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Après 70 ans, vous imaginez, après 70 ans de carrière musicale, que voilà, TikTok l'amène à se faire voir par 80 millions de personnes. Plus en même temps, tu sais, si c'était que... Tu n'as pas de smartphone. Moi, je me pose la question. Non, au point de la jeunesse, ce n'est pas étonnant. Il y a des gens qui sont ringards, excusez du peu l'expression. Donc, ils sont un peu conservateurs. Donc, le téléphone, très le smartphone, ça ne leur dit rien. Voilà. Il y en a, hein, jusqu'à présent, même de jeunes gens. Ça va vous faire penser à des gens d'un certain âge, même de jeunes gens. Bon, on en connaît voilà, tous. Voilà, tout de suite, je pense à un collègue. On connaît même des collègues qui ne sont pas d'un certain âge, qu'on ne peut pas classer parmi les vieux, mais qui sont vraiment détachés de nos affaires de WhatsApp, Facebook. Ça ne les intéresse pas. Donc, pour les avoir, il faut les appeler directement. Si tu passes par WhatsApp, le message fera 2-3 jours. Donc, je pense que Chides Chalabanga est dans ce cas-là. Maintenant, on va voir le clip même original. Donc, c'est certes, la vidéo qui est passée sur TikTok a été reprise en version reggae. C'est ce qui cartonne. Mais là, on va voir le clip original même. On y va. Lineho. Lineho. Uyo linelelo mana mene. Mana wanzeu. Lineho. Line. Line oh, uyu linero mwana mene, mwana wanzeru. Kukacha mama wa amatengaza je, kuseza bakomo, pama iwa je. Kukacha mama, early morning, amatengaza je, kuseza bakomo, lama iwa je. Magolo ali, magolo ali ne, amu ya mikira. Akudiri nerero mwana mene, mwana wanzeru. Magolo ali, magolo ali ne, amu ya mikira. Akudiri nerero mwana mene, mwana wanzeru. Vous voyez un peu. On ne comprend pas la langue, mais, mais c'est dansant. Ouais, ça a été dit, hein, je l'ai dit, on n'a pas besoin de comprendre la langue. Mais vous avez vu les conditions oui, dans lesquelles le clip fameux, a été tourné, en blanc-noir d'abord. En blanc-noir. Donc, ça nous montre un peu l'esprit de l'artiste, en fait. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans la modernité. Il est resté dans l'ancien. Tourné en blanc-noir, alors que ça a été produit fin 2020. Wow. Donc, en 2020, il fait un clip en blanc-noir. Il est resté à son époque, quoi. Ça doit vous montrer un peu l'esprit. Et vous voyez, c'est fort simple, hein. C'est dans une cour. Simple. Donc, il n'y a pas plusieurs scènes. C'est dans la même dans cour la que cour, tout se fait. Tout et puis, fait. Voilà, le piano est là, les micros. Donc, ça se fait presque comme avec orchestre. Donc, calme, simplement. Calme. Alors, ce n'est pas fini. Ce succès, ce n'est pas fini. Ça va l'amener jusqu'à rencontrer
le président de la République tanzanienne à l'occasion de la célébration de son 92e anniversaire, wow. Puisque Chides Chalabanga a 92 ans. Le succès de la nouvelle star planétaire va lui valoir une invitation du numéro 1 de la Tanzanie pour dîner, donc des moments de convivialité. On le verra sur les images, ces moments passés avec le président tanzanien. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, on n'a pas encore les images. Jusqu'où ce succès a pu l'amener. Voilà. Donc, c'est d'aller finalement rencontrer le président de la République. Ben, quoi de plus qu'il a invité pour un dîner. Vous imaginez, de 0 à 91 ans, il n'avait pas rencontré en tête à tête le président de son pays. Il a suffi qu'une vidéo passe sur TikTok. Donc, avis aux TikTokers et TikTokeuses, parfois, il y a des vidéos qui peuvent changer votre vie. Ce que nous venons de voir inspire beaucoup notre animatrice du jour. Non, moi, j'aime beaucoup. C'est son réseau social favori. Je te promets. Qui sait, ça pourrait vous conduire au palais de la Marine. Qui sait. Bon, je vais me mettre encore plus au travail. Si c'est arrivé à Chides Chalabanga à 92 ans, Vous ne pas y croire. Alors, notre troisième et dernière information. Au Cameroun, un chercheur invente les couveuses néonatales pour sauver la vie des bébés. Ah oui, quelle prouesse. Là, c'est de la technologie. Donc, de nombreux hôpitaux en Afrique souffrent d'un manque de couveuses néonatales. La plupart fonctionnent grâce à l'électricité. Mm-hmm. Mais ce type de fonctionnement n'est pas adapté aux pays de l'Afrique au sud du Sahara. Mm-hmm. Alors, en 2016, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut toujours partir de la jeunesse des choses, c'est qu'un drame terrible va se produire. Une mère de famille perd ses quintuplés à l'hôpital central de Yaoundé. Elle met au monde 5 enfants et elle les perd tous en une matinée, donc à l'hôpital central de Yaoundé, peu après leur naissance, faute d'une couveuse natale. Donc les enfants ne sont pas morts pour une quelconque autre raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de couveuse néonatale. Donc, un événement qui a frappé la vie de ce chercheur qui est resté très sensible. Donc, il décide avec son équipe à l'Agence universitaire de l'innovation AUI de créer des couveuses pour réduire le taux de décès à la naissance et éviter ce genre de drame pour son pays. En 2018, il réussit avec ses collaborateurs de l'AUI à fabriquer une couveuse néonatale connectée, made in Cameroun. Donc voilà comment l'histoire va commencer. Donc pour lutter contre ce manque de matériel, c'est comme ça qu'il a dû agir pour pouvoir répondre aux besoins de son pays en matière de couveuses. Vous voyez à l'image là, donc ces couveuses. On va revenir sur les particularités de ces couveuses parce que oui, elles ne sont pas comme celles qui sont importées d'Europe, parce que les couveuses qui sont importées d'Europe coûtent entre 3 000 et 12 000 euros. Wow. Donc vous êtes là dans l'ordre de peut-être 1,7 million à 6-7 millions. Donc parce que 12 000 euros peut faire 7 à 8 millions pratiquement. Donc vous voyez, donc pour avoir les couveuses venues d'Europe, il faut avoir entre 1,7 million et 8 millions, ce qui est vraiment énorme. Donc, et là, maintenant, c'est une invention purement africaine. Au Cameroun. On va sur la vidéo, on revient juste après pour en savoir plus sur les particularités de ces couveuses néonatales made in Cameroun. On s'y est lancé suite à une drame. C'est-à-dire qu'un matin, on a suivi des informations où une dame perd, je pense, un bébé. Et puis, ça fait le buzz dans tout le Cameroun. Et puis, comment on fait des incubateurs pour volailles, on s'est demandé juste qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la couveuse. On n'avait pas les moyens d'avoir les matériaux adaptés. On a pris la tôle, on a pris les verres, ce qui était à notre portée, et on a fait une sorte de couveuse. Quand un occidental fabrique la couveuse, c'est-à-dire personne n'imagine une maternité qui est à 40 degrés. Pourtant, c'est le cas dans beaucoup de maternités chez nous. La nôtre est technologiquement racinée dans le contexte africain. Nous y ajoutons certains attributs, certaines fonctionnalités qui nous semblent importantes en Afrique. Il m'arrive de passer dans la rue, de voir des mamans qui m'appellent pour me dire « Ah, notre bébé est passé à l'hôpital régional de Bafoussam. On nous a dit que c'est votre couveuse. On me présente l'enfant. C'est des moments qu'on ne peut pas décrire. » J'étais à 7 mois de grossesse quand je me suis retrouvée avec des contractions intenses. J'ai eu la chance justement de me retrouver dans une structure sanitaire où il y avait des couveuses. Moi, je me suis demandé, est-ce que ces couveuses sont fiables?
En tant que maman, en fait, on a toujours un petit sentiment d'inquiétude face à certaines réalités. Quand on a eu une coupure de près de 30 minutes et la petite est encore dans la couveuse, comment ça va se passer? Mais au moins, on m'a rassurée que non, je n'ai pas à m'inquiéter. Il y a un relais électrique et ouf, j'ai mis la main sur la poitrine et puis j'ai dit ouf. Non, depuis ton appareil, tu as la possibilité, voilà, on en discutait, tu as la possibilité de juste suivre ton enfant, même à distance. Exactement. Donc là, on va parler des particularités de ces couveuses néonatales made in Cameroun. Donc ce sont des couveuses interactives, simples d'utilisation. Elles sont entièrement conçues et prototypées à Dachang, donc par l'Agence universitaire pour l'innovation. Elle a une résilience aux difficultés énergétiques, donc les concepteurs prévoient aussi d'optimiser l'énergie de la couveuse. Donc ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas dépendant de l'énergie électrique. Électrique, voilà, pour qu'en cas de coupure. Dont on dispose, dont les agences de distribution d'énergie dans nos pays nous fournissent. Donc dès qu'il y a coupure, c'est que la couveuse a une autonomie qu'elle peut continuer par utiliser pour continuer par donc garder le bébé en suivi. Donc la couveuse peut donc fonctionner sans être dépendante de l'électricité, souvent instable dans les hôpitaux africains, ça on le sait. Alors, elle est conforme à la norme internationale. L'appareil intègre également des capteurs qui transmettent toutes les alertes sur votre smartphone, que ce soit celui du médecin ou en charge de suivre le bébé prématuré ou même de vous-même, la maman. Donc, ça veut dire que la couveuse est là dès qu'il y a il y a un système d'alerte qui doit être lancé dès que le bébé peut-être est en difficulté, il pleure, etc. Donc, vous recevez l'alerte pour pouvoir venir l'assister. Alors, l'avantage de son interactivité est que cette couveuse permet au médecin, via son smartphone, donc, de vérifier la disponibilité de la couveuse, de rester connecté à la couveuse pour monitorer les consignes, d'avoir des alertes de sécurité également et de suivre virtuellement le bébé. Alors, autre dispositif également, c'est que ces couveuses-là ont des fonctions électriques de rafraîchissement de sorte à régulariser la température dans les zones trop chaudes. Donc, ça a une facilité d'adaptation. Donc, si la couveuse est mise dans une zone où il fait trop chaud, peut-être parce que les températures ne sont pas les mêmes, même dans un pays, ça diffère d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, la couveuse s'adapte tout simplement. Tout simplement, donc ça régularise la. Donc son prix également est abordable comparé à ce qui vient de l'extérieur. Donc de plus, cette couveuse-là offre 2 ans de garantie offert par le constructeur et un service après-vente de proximité. Donc vous avez encore 2 ans pour vous plaindre de tout ce qui accompagne et insuffisance de la couveuse. Je voudrais dire tout simplement que c'est une œuvre parfaite. Parce que perdre 5 enfants même jour, au même moment, venant de la seule maman. De la seule maman, c'est difficile. Imaginez la peine que vous avez eu à mettre au monde 5 enfants, les quintuplés. Je ne connais pas l'histoire de ces accouchements, mais j'imagine qu'il y a eu de la césarienne dedans parce que parfois, il y a des femmes, elles font 1, 2, mais elles n'ont plus de force pour continuer. Pour pousser. Et il y a encore 3 qui restent, donc on va faire l'incision pour sortir les 3 restants. Donc j'imagine que c'est des situations du genre. Et aussi, c'est que les couveuses, la vérité, on en a très souvent besoin, surtout quand il s'agit également des bébés prématurés, ce qui existe dans notre monde. Et lorsqu'un bébé naît prématurément, il doit être donc rapidement admis dans un service de réanimation néonatale, car plusieurs organes n'ont pas encore fini leur développement dans le fœtus. Donc, c'est compliqué comme ça. C'est comme si on demandait à des organes qui n'étaient pas complètement bien formés de commencer par fonctionner à plein régime. C'est un peu compliqué. Donc, pour suivre le bébé prématuré a donc besoin de vivre dans des températures similaires à celles qu'il aurait vécu dans le ventre de sa maman. Exactement, jusqu'à terme de la grossesse, en fait. Donc, ce sont ces conditions-là qu'il faut créer pour que le bébé ait la sensation d'être toujours dans le ventre de sa maman. Et ça, ce sont les couveuses qui peuvent vous offrir ces services-là. C'est une très belle innovation. On encourage fortement. En Afrique, il y a beaucoup de choses. C'est juste que ce n'est pas viabilisé, ce n'est pas vulgarisé. Donc, les couveuses qui sont importées, qui coûtent beaucoup plus cher, on l'a dit, l'un des défauts de ces couveuses-là, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à nos températures parfois. Mais voilà un Africain qui conçoit des couveuses capables de s'adapter
est de régulariser la température à l'intérieur de la couveuse pour un bébé. Et comme on le dit, c'est après souvent des situations très douloureuses qu'on réfléchit mieux. Réfléchit, pour trouver des solutions afin de ne plus tomber dans... La preuve, il a fallu 5 décès à une matinée pour qu'il réagisse. Pour qu'il se lève, pour qu'il réfléchisse. Mais aujourd'hui, il est devenu un héros parce qu'il a dit dans son interview, beaucoup de femmes le rencontrent aujourd'hui, qui ont utilisé ces couveuses pour des bébés prématurés et qui lui disent merci pour son œuvre. C'est parce normal. Que leur enfant a eu la vie ou ont eu la vie sauf grâce à ces couveuses néonatales made in Cameroun. Alors bravo à cet inventeur camerounais tout simplement parce que cette invention n'est pas destinée qu'au Cameroun. Non pas c'est qu'au pour Cameroun. Toute l'Afrique et même oui, c'est pour toute l'Afrique et même au-delà. Ouais. Et même au-delà donc vraiment bravo, rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la et vie. Si on peut innover, si on peut réfléchir, si on peut trouver des solutions pour quand même préserver cette vie-là, ben on doit encourager. Ouais. On doit encourager. On embrasse ces innovations-là, c'est très important. Moi, je souhaiterais même qu'il envoie ça à l'extérieur, pourquoi pas. Parce que si nous, en Afrique, nous arrivons à acheter les choses venant de l'extérieur, eux-mêmes, ils peuvent... acheter pour nous. Ouais, je pense qu'il va le faire. Peut-être que c'est déjà... Je pense le processus que ça, est déjà en cours. Que ça doit être déjà en cours. Il y en a en fait qui commandent selon les informations que j'ai vues. Je ne pouvais pas tout dire. Mais il y en a qui achètent pour des Camerounais et des Camerounaises qui vivent en Europe. Il y en a qui commandent et qui ramènent ça là-bas et qui font découvrir ça à des Français, à des Canadiens, peu importe là où ils sont, qui apprécient vraiment. Et il y en a qui commandent également. Donc, il est déjà sur le marché international aussi. D'accord. Alors, parlons toujours d'innovation. Place maintenant à notre référence du jour. Gloria, nous sommes à la découverte aujourd'hui de Carmel Lydie Patindé. Elle est dans la production du vin et des liqueurs. Exactement, chers téléspectateurs, Carmel Lydie Wefa, elle produit du vin à base des plantes naturelles. Elle produit du vin et des liqueurs. Je crois que c'est du vin. Toutes sortes de vins et de liqueurs. Ben, notre pasteur, lui, ne consomme vin pas. Vin blanc, vin rouge, des liqueurs. Franchement, À base de plantes. Je lui ai tiré chapeau et je crois que vous-même, vous allez lui tirer chapeau. On y va pour la découverte. Je suis Carmel Lydie Patindé, épouse à Jovi. Je suis entrepreneur dans la transformation agroalimentaire. J'ai été formée dans la transformation agroalimentaire et après, je me suis spécialisée dans la production des vins et liqueurs, mais des vins et liqueurs de fruits locaux sans additifs chimiques. Déjà, on ne produit pas à partir des plantes que nous cultivons parce que l'entreprise est jeune. Mais déjà, depuis quelques mois, on a commencé à faire l'expérience des matières premières, des plantes. C'est ça ce que vous avez vu un peu dans le jardin. C'est tout un travail, c'est un travail de longue haleine déjà. Donc, on prend les matières premières auprès des cultivateurs, mais nous-mêmes, nous avons commencé à en faire l'expérience. Déjà, ça dépend de quel genre de vin vous voulez produire, si c'est un vin moelleux, si c'est un vin sec, du vin rouge, du vin blanc, du vin brun, ça dépend. Il faut dire aussi que tous les fruits et les fleurs comestibles peuvent servir à produire du vin. L'essentiel est que ce soit la fleur ou le fruit soit en mesure de produire de l'alcool naturel dans le processus de la vinification. Donc voilà, ici nous produisons du vin à base des fleurs de bissap rouge et blanc, à base du pomme cajou, à base de l'ananas. On peut produire du vin à base de l'orange, des pommes et tout, voilà, des fleurs d'avocat. Il y a une dizaine d'années, on avait une petite fête en paroisse et mon chéri disait, moi je veux offrir du vin, mais du vin fait maison. Donc il a essayé d'ébaucher quelque chose.
Mais quand il a sorti ça au lieu de la manifestation, tout le monde était épaté. Alors, moi, ça m'a fait un déclic. J'étais déjà dans la transformation agroalimentaire, je faisais beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, on va produire du vin. On va produire du vin à grande échelle. Et on va produire du vin 100% naturel. Donc, j'ai commencé à faire les recherches et tout. On avait commencé ensemble à ébaucher. Et dès à la première opportunité, je me suis fait former et je me suis spécialisée maintenant. Et dans ce que nous faisons, nous avons un cabinet qui est garant de la qualité de nos produits, un cabinet qui manage avec nous, qui vérifie la qualité des produits, tout ce que nous mettons sur le marché et tout. Officiellement, on a commencé en juin 2019, ça fait 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, on a plusieurs types de vins. On a notre produit phare qui est le vin sap, qui au bout de 2 ans et demi nous a valu 3 trophées. On a le vin blanc de Bissap, la Rosselle, qui est un vin moelleux de table. On a le vin brun de pomme cajou. Voilà. Et à côté de ça, on a une liqueur à base d'épices, une liqueur à base de plantes, une liqueur à base de fruits également. Un entrepreneur qui ne communique pas, ne peut pas émerger, ne peut pas évoluer. Je pense que la communication est très capitale dans l'entrepreneuriat. Si vous fabriquez quelque chose, si vous voulez mettre quelque chose sur le marché, il faut faire connaître ce que vous faites. Il faut échanger autour, il faut dire ce que ça peut apporter, ce que ça a comme valeur ajoutée, le bienfait que ça comporte. Qu'est-ce que ça fait de consommer du vin naturel, du vin sans additifs chimiques, du vin élevé en jarre de terre cuite? Vous savez, l'argile, c'est du zinc, c'est du fer, c'est du calcium. Ça fait beaucoup de bien. Ça améliore le goût du produit, ça purifie le produit. Il faut communiquer. Il faut être fou pour entreprendre. Mais quand on a des objectifs, on se donne les moyens pour les atteindre. Donc j'ai un objectif assez clair et je me donne chaque jour les moyens pour évoluer. Oh, j'ai envie de consommer ça là tout de suite. Bon, oui. Moi, je suis épatée. Je suis restée sans mots ce jour-là où elle m'a expliqué le processus, comment elle arrive à le faire, d'abord d'où est partie l'idée. Et tout ça, franchement, je lui ai tiré chapeau parce que elle est indépendante et c'est ce qu'on recherche à toute femme aujourd'hui. Pas indépendante et insoumise, hein, mais indépendante. Elle peut s'offrir ce qu'elle veut. La précision vaut la peine. Ah oui. Parce que indépendante, mais ça, pas insoumise. Ça, j'ai vraiment aimé cette parenthèse parce que oui, les gens confondent l'indépendance. Non, à la rébellion, donc je suis indépendant, c'est... donc je veux... C'est deux choses différentes. Ben, revenons maintenant à notre exactement, référence. Elle est indépendante, mais soumise, elle est... il faut dire ça. Indépendante, mais soumise. Voilà. Elle arrive à joindre les deux bouts, elle est là avec ses enfants, son mari, elle a la capacité de sortir, et faire ce qu'elle veut, franchement. Bruno, c'est bravo. Du vin, des liqueurs à base de plantes naturelles. Plantes, fleurs. Et fruits comestibles, oui. Donc tout ce qui se mange, tant que c'est une plante, tant que c'est une fleur, tant que c'est un fruit, c'est qu'elle peut transformer cela en vin. Ouais. Franchement, c'est... Voilà, on est toujours dans la consommation des fruits. Mm-hmm. Et je ne vous coupe pas, oui. Il y a même des plantes sucrées que j'ai goûtées, des plantes qui sont là dans sa maison, qui sont sucrées, et ça c'est du sucre. Parce qu'elle n'achète pas du sucre. Oui, elle a dit, il n'y a aucun additif, en fait. Aucun additif chimique. Ça veut dire qu'elle est complète, en fait, puisqu'elle est un peu aussi dans le domaine potager en même temps. Exactement. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment complète. Elle est sur toute la chaîne. Donc, du début, elle produit la matière première jusqu'au produit fini. C'est intéressant. On a pu voir même l'oseille de Guinée, hein, qu'on appelle notre Bissap souvent. Bissap. On sait consommer du Bissap dans les bidons de 100 francs, 100 francs, mais on ne sait pas qu'on glacé peut même partir de ça pour en faire du vin. Moi, ce dont je suis peut-être curieux, peut-être on va revenir là-dessus, c'est comment la fermentation se fait. Parce que ça doit être une étape importante. Et surtout la conservation. Parce que de ces boissons, un fruit naturel, quand vous le pressez, vous le laissez là, ce n'est pas évident qu'il fasse un certain temps. Mmh. Mais là, on a vu qu'elle a pu produire
des gammes de vins qui ont déjà entre juin 2019 et 2021. Donc, on est à quoi? Deux ans, pratiquement. Elle a parlé de la procédure de fermentation. Elle n'a pas voulu parler de la procédure de fermentation parce qu'elle s'est dit qu'elle ne va pas livrer son secret au grand public. Et elle a déjà reçu 4 trophées, vous avez dit. 4 trophées en 2 ans. En 2 ans. Wow. Et il y a un vin en particulier, je n'ai pas gardé le nom, qui a remporté 3 trophées à lui seul dans les distinctions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et surtout pour la conservation, moi, c'est là où je tire chapeau. Parce que, ah oui, on sait que même le bissap au naturel, quand vous le faites, vous fermez, vous déposez, ça se fermente. Après, quand vous ouvrez, ça explose. Donc, que le vin soit conservé dans des bouteilles, tout et tout, sur des années, certes, peut-être avec une date de péremption, mais peut-être sur 1-2 ans, franchement. C'est son secret. Voilà. Si vous permettez, on peut la recevoir en plateau, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, c'est pourquoi quand pas? Même innovant. C'est innovant. C'est innovant. Je crois que la maison ne va pas nous le reprocher. La maison t'écoute et te suit de toutes les manières. Alors, merci, Gloria. Merci aussi à notre chère référence du jour, Madame Carmel Lydie Patindé, pour cette innovation qu'on encourage vivement. Merci, chers chroniqueurs. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est déjà fini. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 12h. Bye bye.